Il y a un avion mexicain qui t'a pris en direction qui a fait un atterrissage forcé à cause d'un problème technique. C'est arrivé hier soir, Madia, qui était 19 octobre 2021, aviation Jacques Mel. D'après premier élément d'information, que nous-mêmes dans la salle nouvelle Radio Méga nous joignons, c'est à des Dominicains qui t'a piloté l'avion si là. Heureusement, il est sorti sans aucun problème. Il n'y a pas de problème lui-même. Incident à la cause, bon, hier soir, bien, hier soir, mais là, t'es un gros mouvement dans protestation qui était faite bride sous coup qui éclaté sous piste aviation Jacques Mellan et population lui-même qui était vle ou qui ça qui dans avion ça qui ça fait avion ça tomber qui ça tout qui était gagné en avion ça finalement il était arrivé entrer dans avion hier soir et pour aller garder ça qui gagné en dedans avion ça pendant en attendant que autorité policière était arrivé pour être capable bien contrôle situation si là hier soir après atterrissage forcé que avion ça jendia avion mexicain ça qui t'a pris en direction qui bat côté. C'est à des Dominicains qui t'a piloté avion. C'est là. On a vu avec plus détails dans l'autre édition qui n'a pas pour nous. Voilà l'autre information. On a parlé des questions insécurité qui n'a pas qui apprend la rage. C'est vrai, mouvement chauffeur. Il y a une question gaz là dans tout. Mais il y a une question qui n'a pas qui a fait la rage à l'état. Nous avons vu avec information concernant les kidnappings qui fait sous 17 missionnaires. 16 ressortissants américains et puis yon canadien côté que autorité canadienne réagit et même autorité américaine réagit concernant Zach enlèvement si là non ça qui avec autorité canadienne qui ça yo dit sous ça on nous permet de gagner une idée sur information bas gendarmerie Canada confirmé mardi en lab travail avec force police d'Haïti puis États-Unis dans cadre enlèvement 16 missionnaires américains canadiens yo qui fait à samedi en pays d'Haïti. Jean-Noud Dolan, la police canadienne, pendant une interview, lui a accordé à journal EFE. Il dit il prend la situation ça très au sérieux et puis il a collaboré avec autorité policière haïtienne et américaine dans l'idée pour capable de jouer une libération otage. Missionnaire ont été kidnappé pendant yo t'a voyagé dans un bus après ont été fin visiter un orphelinat parmi otage ça yo gain 5 timoun ak 12 grand moun organisation missionnaire Christian AID ministry qui basé dans état Ohio dans Midwest États-Unis gouvernement canadien à travers ministère affaires étrangères et fait connait l'a chercher plus d'informations bon côté autorité locale et puis organisation après le fin apprendre enlèvement missionnaire yo autorité canadienne yo pas révélé identité citoyen canadien ça qui fait partie groupe otage yo bon côté pal gendarmerie ajouté li pas fait aucun commentaire sous enquête la qui a fait dans l'autre pays qui donc dans pays d'Haïti et li pas fait aucune déclaration pour moment ça pour qu'on y a là sous enlèvement missionnaire yo. N'a pas appelé dans le commencement Canada a décidé de continuer à financer le renforcement de la police nationale d'Haïti face à la crise de sécurité et la pression croissante en gang dans le pays d'Haïti. Le Canada a financé tout projet qui visait réduire la violence dans la collectivité et puis renforcer pour monter droit à l'intégration des femmes dans la force policière, d'après sa journal l'a rappelé. Jean a toujours été dans le même dossier ça Jean Dédian là 17 otages toujours dans mené 400 maozo dans commune quoi des bouquets parmi eux 5 timon autorité américaine yo dans conférence by Ayamadia dit yo pas entendre négocier kidnapper objectif yo c'est mener tourner la caillou 16 américains avec canadien ça autorité américaine yo mandé avec tout à ressorti ça américain yo dans moment ça pour pas rentrer Haïti puisque yo mettait une alerte dans niveau 4 hein niveau 4 sur Haïti. Haïti fait partie pays dans moment là qui gagne gros même si son pays a risque lié par rapport avec la question et kidnapping, crime, problème instabilité politique, question COVID-19. C'est ça ambassade américaine dans pays d'Haïti écrit dans communiqué. Centers for Disease Control and Prevention CDC, yo mette un avis santé pour voyageurs dans niveau 4 pour Haïti qui indiqué dans niveau très élevé COVID-19 là dans pays hein. Et si un monde même il facile pour capable taper COVID-19 là, mais c'est ça que fait
mandé tout dans Casa Fork Mounio qui après entre aux États-Unis tout capable et vacciné puisque je dis à Haïti dans niveau 4 dans question COVID-19 mais je dis à question enlèvement crime instabilité politique c'est l'autre élément que expliquer qui fait que yo mandé avec tout ressortissant yo américain pour pas rentrer dans pays et d'Haïti Jean même dis à samedi qui était 16 octobre là passé à là côté 17 missionnaires yo 16 américains et yon un canadien qui nommé ravisseur au côté information fait que ravisseur t'a mandé 17 millions de dollars américains pour capable libérer otage grand information qui fait quoi que eh bien autorité américaine yo a fait comme ça passer par travers un ensemble de projets eh bien gagné communiqué que BID Banque Interaméricaine Développement mettait dehors mais représentant qui fait qu'on est que il démenti toute information qui a fait quoi que gain implication institution BID non quelconque opération financière qui visait payer rançon ça l'argent qui c'est 17 millions de dollars ça pour otage BID pas gain kensa ça mon a dit pas gain la pas gain pour avec eux puisque il y a pas en question bail l'argent ça sont avec sous plan financier pour ta permettre de libérer otage selon ça représentant BID qui c'est Banque Interaméricaine Développement lui-même lui dit pas voir avec un dossier ça n'a toujours été dans même dossier ça puisque gagne cadre centre analyse accroché sous affaire droit mon qui présenté bulletin numéro 6 li pour mitan mois octobre blanc côté selon responsable cadre yo fait qu'on est au moins 119 cas kidnapping yo censé recenser enregistré sorti première moitié mois octobre ça veut dire sorti 1er octobre jusqu'à 15 octobre et yo censé recenser 419 cas kidnapping et yo sorti des différents côtés différentes zones et des kidnapping yo recensé 61 kidnapping individuel 61 moun kidnappé pour compte yo mais yo recensé un gros cas kidnapping collectif qui fait c'est ça qui fait samedi à côté de 400 maozo kidnappé et bien missionnaire ça yo là-dedans qui gagne 16 américains et yon canadien et au moins t'a gagne un chauffeur haïtien qui t'a conduit pour et missionnaire ça yo question plus mon a posé pour que ça expliquer est-ce que yo libéré chauffeur haïtien ça puisque après toute information capable de parler des 17 missionnaires ou pas metté et chauffeur qui t'a semblé c'est ton haïtien ça veut dire est-ce que le nom monsieur yo, ou pas est-ce que libéré l'important qu'on y avait autorité concernée autour les pour t'a parler de question grand haïtien ça mais chauffeur ça t'a conduit au moins qui t'a un haïtien dans cadre de c'est ça yo ça c'est tout 10 kidnapping collectif pendant 2 jours dans zone Matissan des côtés qui occupé en disant que sud de capitale là mais côté parler de plusieurs cas kidnapping qui fait son commencement mois octobre pour arriver jusqu'à jeudi à cadre lui même fait qu'on est kidnapping collectif yo li passe à 10% en moyenne et sinon total là qui li très élevé par rapport avec Jean Saté avant bilan global la cadre lui même présenté au moins 780 cas kidnapping sorti mois janvier pour arriver 16 octobre 2021 780 moun kidnappé sorti mois janvier 1er janvier pour arriver 16 octobre 2021 contre 796 qui était fait pour année 2020 et ressortissants étrangers au moins 53 ressortissants étrangers qui kidnappé parmi tout monde ça et qui sorti dans quatre pays et quatre fait qu'on est bulletin ça de temps en temps l'a évolué depuis des informations qu'il y avait à causer et kidnapping c'est ça comme information non té poté ba non concernant dossier ça dossier quatre kidnapping qui fait sous 17 missionnaires ça 16 américains et yon canadien et chauffeur qui ta yon haïtien qui ta fait 18 moun qui nan men 400 maos yo. N'a toujours été dans dossier kidnapping Diana Michel petite pasteur Jean-Pierre Ferré Michel ak maman démenti information qui t'a fait quoi papa libéré Diana ak maman fait qu'on est malgré bail en pile l'argent déjà kidnappé refusé libéré yo seulement la gion seul monde famille rappelé pasteur Ferré Michel si un monde malade qui presque gain 80 l'année sous tête li yo supplié kidnappé libéré pasteur côté Diana Michel ak maman pasteur bonjour. Non, moi c'est Diana Michel et moi c'est petite Jean-Pierre Ferrer Michel qui c'est pasteur du Jesus Center que a été kidnappé avec deux autres amis le 3 octobre. Ça a gagné 16 jours depuis sa arrivée. Yo la gagné yon moun et yo kembe li même avec l'autre ami nan toujours. Yo ba yon premier corps pour moun sa yo et konya moun yo ve plus corps. Moi vle faire nous au courant et va continuer faire nous au courant. Mais nous avons dit que le focus n'est pas sur le kidnapper. Parce que le kidnapper, c'est un travail à faire. Ça ne pas retirer sous méchanceté. Mais nous devons comprendre que c'est un monde qui va faire le travail. Et nous devons connaître tout.
que papa me son grand monde 78 ans, il pas fréquenté un petit monde. So, ça c'est un petit groupe monde qui t'a au courant mouvement li pour yo t'a fait kidnapping ça arrivé fait. So encore m'a kembe au courant, m'a fait nous connaître tout développement yo. Si nous voulons aider famille, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde, moi c'est madame Jean-Pierre Ferrer Michel. Moi accompagné de petite main Vanessa Michel. Pasteur l'église Jesus Center, yo poko jam la gueule et gen fausse information, fausse rumeur, information pran la rue fait connait qu'elle ta la caille. Mais c'est madame la petite li t'ap connait avant tout le monde. Donc s'il vous plaît, son grand moun niye, m'vin di nou la vérité le poko la caille, yo poko la gueule depuis 17 jours. Li sans médicament. Son grand monde qui presque arrivé dans 80 ans. Parait-elle pas quatre années? Parait-elle trois années pour ça? Donc moi viens plaider. Moi viens dire tout le monde qui concerné. Lage pasteur. Lage marim. Remettre mon papa yo, remettre frère à famille parce que nous fait toute bagaille déjà. Yo kembe yo, faut que yo lage yo. Nous fait tout ça pour nous défaire. Merci beaucoup. Moi remercie nous d'avance tout concerné. Voilà, c'est déclaration petite pasteur Jean-Marie Michel Ferrer ensemble avec madame Li qui t'a parlé hier là. Mon cher, m'a regardé une vidéo par contre l'église papa. Un pasteur qui a prêché, ouais vidéo ça qui dit mon yo fort que manchette. Et effectivement, ouais mon yo manchette sur nom. Mon pasteur a cherché ça comme solution. Bon, il dit manchette la son façon, hein. Il dit bien tout ça avec le bagage comme fidèle. C'est Kimbe et Kimbe qui chaou nan main ou et pasteur a gen gros manchette li nan main et pasteur a avancé pour montrer que bien, yo sauvé déjà, hein. A fait si c'est pour yo sauvé déjà même le mouyo nan qui se sauvé déjà. Mais quitté bandi a fait la dernière sou yo et non, ça va passer comme ça. Sou get en galé avant, OK, mais débé get en galé manchette yo, manchette Colinio m'a regardé de ses fidèles. Fiwi Pas prier fermer les yeux. Non, moi c'est pas là, c'est prier veiller et ouais même dans Jésus-Christ, j'en ai dit à la Bible pour tout regarder. Ouais, Pierre était en galégo et puis il était coupé genre, ça veut dire même dans Jésus qui était gain zam pour te défendre et Christ là. Ça veut dire pasteur clair, je veux dire faut fidèle de défendre tête face avec question insécurité ça kidnapping qui a fait dans l'église yo. N'a toujours été dans même dossier ça pasteur c'est au macature pas cacher qui était devant phénomène kidnapping qui pour connia voulait attaquer l'église yo pasteur croire tous ces résultats négligence certains pasteurs qui pas jamais soulever fidèle pour lever camper côte en mauvais condition la vie pays dans pays hein? Pasteur Makatu croit l'église si yo t'ai fait travail si yo t'ai compte jouer rôle yo situation ça pas d'ab dégénérer dans niveau ça homme de Dieu a persuadé l'église doit jouer gros rôle dans bataille pour libération pays et d'Haïti en côté pasteur Alcero Makatu n'a fait situation attaque qu'a fait à pasteur yo même Jean n'a fait situation attaque qu'a fait à tous les citoyens et citoyennes dans le pays. Naturellement, pasteur, c'est des leaders, c'est des leaders importants, mais la vie de tout le monde est importante. Donc, il a pris quel que soit le bon nom, c'est panique dans toute famille, hein. C'est gros tête chargée dans toute famille. Aussi, nous avons pile problème, nous avons pile tête chargée, les a entré l'église, les a kidnapper fraction dans tout côté dans le pays. Et je pense que ça qui fait affaire dans l'église qu'on a, c'est premièrement parce que l'église n'a jamais pris responsabilité. Parce que n'a jamais pris responsabilité en tant que dirigeant. Il m'a connu que l'évangile qui a prêché avec deux faces. Une face, côté que vous devez enseigner, former le peuple là, mener le peuple là dans le ciel avec prêcher